Mata Boa. Naye. Elongi kangama. Noko ronfle. Na bamba kukushe ngai. Wana mbota biela kagi toile. Oh, bandukwe kuma kinga na biro. Koto kola yambinga. Abandi singa na sada tante. Ronfle de dipinga. Babandi kuyamba basiye kamangu kapo. Kase mukasa. Babandi kuyamba ba famille ba masan. Bami. Et après nous sommes venus ici. Emma, ne nous tenez pas rigueur. Soyez libres. Vraiment, c'est une... Nous avons dit que c'est une soirée culturelle. Exprimez-vous, soyez vraiment libres. C'est la joie, nous sommes dans la famille. Nous allons essayer de partager le peu que nous avons. Vous avez vos bons là-bas. Donc, le bon que vous avez droit au buffet. Droit de choisir au moins trois boissons. Je ne sais pas, alcoolique ou sucré, tout ça, tout ce que vous désirez. Vous êtes libre. Et sentez-vous vraiment dans la famille. Et avant de commencer, comme nous, nous mettons d'abord Dieu au premier lieu, nous voulons inviter parmi nous, nous avons notre abbé qui est présent, de dédier ces circonstances entre les mains de Dieu. Et puis, nous allons vous dire... Cette soirée entre les mains du Seigneur, quand bien même nous parlons dans le cadre de l'indépendance, c'est Dieu qui a voulu que nous puissions nous rencontrer. Je crois, pour la plupart, parfois c'est la première fois que l'on se rencontre. Nous habitons très dispersés sur cette étendue territoire norvégien. Mais Dieu, c'est un Dieu d'opportunité, c'est un Dieu d'occasion qui permet que nous puissions nous retrouver autour d'une même table et recommander aussi notre pays entre ses mains, parce que nous savons que c'est lui, celle qui peut délivrer notre pays. Quand nous voyons à travers paroles d'exhortation et d'encouragement que Dieu est de notre part, nous ne devons pas nous fatiguer. Quand bien même nous voyons que les choses perdurent ou traînent en longueur, et nous allons pouvoir prier. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui as permis que nous puissions nous rencontrer ce soir en tant que les fils et filles du Congo, dans ces pays de la Norvège, je viens en vertu de l'autorité du pouvoir qui me sont conférés par toi. Condamner toute source de désordre, de perturbation, d'embouteillage, au nom de Jésus-Christ. Et je lève le nom de Jésus au-dessus de toutes choses, pour que cette manifestation, pour que cette activité culturelle puisse se passer dans l'ordre, dans la paix et dans l'harmonie. DJ, à vous. Debout congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Nous bâtirons
citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Merci, merci, veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Et avant que nous puissions commencer notre programme, j'invite M. Prosper Ramazani Mambo, qui est le coordinateur adjoint, de venir prendre la place. Avant la banda, nous avons une minute de silence. On a le peuple congolais qui nous a beaucoup fait pour nous. Nous avons une minute de silence. Une minute de silence. Sikoyo po ba récupérer mabele na biso, po ba récupérer ba ressources na biso, il faut ba luka tactique to technique ya kozwa biloko yango. Tactique yango ezalaki nini? Ezalaki ko semer division na kati na biso. To landa na malamu na koloba mingi te, division wana soki lelo tozo ko souffrir biso peuple congolais ezali po et loko mundele ayaki ko tiana kata biso ezwaki place soki bayaka ko diviser biso et puis to boya ndele le tozo souffrir mite na ko pesa bino exemple muke po ngana ngaka mini mini koloba po na likambo ya mboka oyo sika tozo kufana ndenge bomoni mboka oyo ya Norvège mboka oyo ezalaki mboka moko pauvre penza. Pauvre, mon conseil dans le dit pauvre, c'est-à-dire pauvre, les alliés sont le pauvre. Si koyo et comme quand attend au moko boyé na ville munene, deuxième ville ya mboka oyo. Masua moko et longwaka Angleterre. Masua wana tango eyaka et comme na place moko na deuxième ville ya mboka oyo c'est benga ka Bergen. Tango masua wana eyaka na Bergen. Et yaki na batu bazala ki akobe na maladie moko bazaba balo benga ngona tanga ngo svat dauden na yebite sokoto ko benga ngo fièvre rouge soki fièvre noire na yebite peste wana saki peste moko penza ezali ko boma batu na munoko ya mboka oyo ba benga ka maladie wana svat dauden siko maladie wana e boma ki ba norvégien ya kosakana te soki boyoka ka ke norvégien kotaka aninio na Danemark. Ils allaient les colons y a maladie ouais.
pour bazala qui n'a moyen financier et pour ba celle ça va tu vas t'y faire. Si quoi Norvège est décidé ba côté na union na Danemark. Tant ba côté qui na union na Danemark bon la nana malam. Et zala qui pour la ligne et zala qui pour Danemark et zala qui n'a pas moyen. Il y a un peu de colinga, il y a un financier qui est en Danemark et qui est en Danemark. Il y a un peu de union en Danemark. Danemark est en Danemark. Il y a un peu de colinga, il y a un Norvège et un Bimba. Il y a un peu de colinga. Il y a un peu de colinga en Danemark. Et puis, il y a un Danemark qui est dominé en Danemark. Mais il y a un peu de colinga en Danemark. Natango y a un peu de colinga en Danemark. Yango ba villageois ya mboka oyo o ba timakana kombo ya babunde soki boyoka ka babunde forbit na mboka oyo ba villageois ya mboka oyo ba tindaka ba député na bango na na Edsvoll tango ba kendaki Edsvoll place wala ba bandi kokoma histoire ya mboka oyo yango esika kutu ba komelaki loi ya mboka oyo oyo biso le doto yebini pa ya to bandiko fete Norvège mboka moko kitoko penja zali na mokili mobimba yango mboka moko kitoko sika bato bakofanda kitoko soki le lobi soto yoko mona bandako oyo ya minene ba balabala ba nini finance moko ekonomi kutu ya mboka oyo ezali ekonomi moko kitoko eza po bana ya mboka oyo babundela mboka na bango bona dinga malamu eh sikoyo ba Norvège wana ba te export babandiko koma histoire ya mboka na bango balobi te biso tokoza na baganois te il faut tous à la Norvège mboka moko il faut tous à la Norvège mutu moko il faut tous à la Norvège école moko soki lelo biso bakongolais toza ya kosufrir bo ezali po tobosa na bolingo na kati na biso kolo ntango ayaki na mboka na biso ayeba ete soki totikali liboke moko akolonga biso te tekniki na ezali kosala nini asemer division na kati na biso soki lelo eza na eloko mosusu te ezopesa biso place na mboka wana ezali po bolingo toyeba yango te eza na bakongolais mosusu lelo soki azali ya nord amoni mutu ya sud il faut ayebaka ye monguna na ye eza na bakongolais mosusu lelo soki amoni mutu ya ouest ye mutu ya est il faut ayebaka oyo nde monguna na ngai yango wana tosusufrire ti lelo oyo mais soirée au lieu d'être bien guéri à moi, n'a qu'à dire le lot, c'est là qu'il m'a voulu pousser plus la pensa. Pour l'indépendance, il n'y a pas de l'obami dans mon corps. Indépendance, c'est-à-dire, c'est la liberté, il y a la population, liberté, il y a un tout. Mais il y a un bon avis depuis le colonisateur dans le monde de Mokawana. Si le lot, il y a un tout, c'est plus la tête de l'obami dans mon avis. Et ça dit pour la ligne, pour tout Kawana. Tindenge, bayeko bomela biso oyo premier ministre ya mboka na biso akufaki tuli mutu ayebi ete mutu na media ezanga prosperite mutu nazoloba likambo yango ti ndenge bayeko boma ye mehene etika na place wana na ndenge hene etika na place wana eza na bato mosusu lelo soki oyoki yo ngai ngambo na norvégie moko ozwi ngambo na ndeko na ye misusu soki ozali kofanda na Trondheim osali mbeba kuna okimeli Christian Sand okuti Norvégie mosusu kuna akoti na yo pesanga na ne référence na yo na yo esika ozali kofanda soki ndeko na ye wana abengi na telefone ebisi te o wana boyamba ye aza mutu na ye kitoko wana yebaki ebakoyamba ye lokola mutu kitoko eza po bato oyo bazalaka liboke moke bomoko na bango wana yango epesi bakobona biso tofandi awa lelo totelemi awa toza na soare culturelle soare oyo na bamboka mosusu bato bafete yango te na baboka misusu mpenza basuede badanemark na états-unis canada soki wapi balobaki te biso tofete te po mboka eza na mawa bandeko message na ngai ya suka yango oyo nivo oyo mboka na biso eza na yango lelo eza na nivo moko mpenza ya mawa soki yo peuple congolais oboyi kotelema mpo na mboka wana yebake mutu moko te ya libanda koya kokondela yo mpo na mboka wana ngai prospere ndenge bomoni ngai awa mingi mpenza bayeba ngai lokola mosali na nzambe botamosi bato mosu bakamwe ne bayei komona ngai na teni mpenza na bandi okota na makambo ya politike te mais soki okoti na politike te politike yango moko ekolanda yo yango moko ezolanda yo penza eza na mosuwa ngai naza mosali na nzambe nakokota te na makambo ya politike mais yebake avant nzambe aya kobenga yo akuta yo ozalaka kongole
liboso nzambe akobenga liste vite na ye akuta yo zalaka na mabele na yomeja va pierre wana soki jésus abenga bango akuta bango bazalaki na mabele bazalaki na bikolo na bango bandeko bakongole na soirée culturelle oyo en tout cas nalingi tosapola makambo yango toyeba valeur na biso toyeba ba valeur culturelle na biso nayebi tozala ntango ebele mpenza toyeba ba valeur culturelle na biso peuple congolais ozali moto ya kosenga biloko na balabala awa peuple congolais ozali moto ya koya konyokama awa na poto te soki natuni bino motuna moko estce que bokoyebisanga balibie boni baza na mboko oyo boyebi eza mpona nini mpo basalisa mpenza mboka na bango ebele mai biso peuple congolais na valeur oyo nzambe apesa biso bilanga oyo nzambe apesa biso tozali bato yakoya kosenga na balabala te mai toye kosenga mpo tobosana ya biso mabele yango wana na kobosana na biso bapaya bayeba soki yango yango sofrasa biso mai otya mitema na biso esika moko telemi mpenza tozokoluka bamoyen ya kotala soki nzambe akosalisa biso mpo tozomboka wana tozongisa yango mpenza de façon ke tout le motu asepela na bomengo oyo nzambe apesa biso ngai ndenge na telemi awa nazali deuxième nazali vice-président ya communauté congolaise na mboka na nini na norvège mpo ekómaka na ntango moko boye tobandi komona bacommunité mosusu na norvège ndenge bazali organise yango tolobi te ilfaut tosala eloko moko mpenza oyo ekosala biso mpe bacongolais tozala ndenge lokola ndenge bacommunité mosusu ezali mpo tozomona bapakistanais tozomona basomalie ndenge bazali organise mai biso bacongolais tokomi lokola eloko moko mpenza toyaka toyebani te donc yango mpenza ifaut tosala eloko moko mpenza oyo ekosalisa biso nde tofandaka esika moko tolobi topona komité oyo ekokamba bacongolais na mboka ya norvège ntango toponaki komité wana yango baponi ngai lokola vice-président epuis tozali na président ya communauté ye moto nalingi napesa bino na présenté ye bino bomona ye ezali papa tito mbondo akokoya bobomona ye Comme la salle elle est mixte et multilingue, je préfère utiliser une langue qui, que beaucoup de gens peuvent comprendre facilement. Sinon, je me sens mieux quand je parle dans ma langue propre. Mais pour ne pas indisposer les autres, essayons un peu d'utiliser une langue que la plupart d'entre nous peuvent comprendre. Bon, je m'excuse beaucoup parce que il est déjà 22h. Le programme s'était prévu vers 20h. Mais nous n'avons plus le temps de discours parce que ça ne sert à rien. Les gens sont là, sont fatigués et les ventres deviennent un peu chauffés. Est-ce que ceux qui sont venus de loin, fatigués, alors commencé la journée depuis le matin. Bon, on n'aura pas le temps de dire n'importe quoi ici parce que on dit toujours, le ventre creux n'a point d'oreille. Mais je demanderai votre intelligence si vous m'accordez seulement 3 minutes. Comme le professeur l'a déjà dit, bon, aujourd'hui nous nous rencontrons ici, c'est parce que c'est la journée du 30 juin. Bon, certains diront que non, bon, nous avons trop de problèmes, le Congo a des problèmes à ceci. Bon, il faudrait ne pas peut-être organiser une soirée pour le 30 juin. Oui, nous acceptons. Mais est-il que nous venons de les chanter tout de suite là. 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous devons léguer à notre postérité. C'est une date inoubliable que nous devons toujours nous souvenir. Alors, pour se souvenir de cette date, il y a plusieurs façons de se souvenir. Il y a de ceux-là qui ont trouvé la date pour faire des marches. Bon, nous avons trouvé une date pour chercher à nous harmoniser. C'est ainsi que nous étions, on avait une journée pleine. On avait commencé d'abord par ratifier notre statut. Et puis nous avons fait une messe. On a célébré une messe pour le Congo. Et nous sommes retrouvés ici
pour ensemble nous puissions prendre quelque chose et puis nous commémorer certaines histoires. Parce que quand nous sommes ensemble, il y a des gens qui ne sont pas ici, qui n'habitent pas Oslo et qui sont arrivés. C'est une façon de les retrouver, une retrouvaille entre nous. Nous aurons le temps de développer d'autres choses quand nous serons entre nous et dans nos réunions. Mais je ne fais que souhaiter tout le monde qui est venu nous voir. Bonne fête. Comme c'est notre ami, parce qu'en Afrique, on dit que l'ami de ton ami est ton ami. L'ami de ton frère est ton frère. Ce sont nos frères, les Africains qui sont venus ici. Et les autres, qui ne sont même pas d'Afrique, d'autres continents, qui sont venus nous voir, ce sont nos frères. Et puis, comme c'est notre fête d'indépendance, nous supposons que c'est la leur aussi. Et nous le souhaitons aussi. Bonne fête. Je vous remercie. Si comme le cordon vient de dire, il n'y a pas trop de discours. Il n'y a pas trop de discours. C'est le temps de manger. C'est le temps de boire. Mais toujours l'oreille au Congo. Et nous vous remercions pour votre présence. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir, qui sont en route, qui sont en train de nous appeler. Nous allons être ensemble. Comme nous avons dit que c'est une soirée culturelle. Il faut définir la soirée culturelle. Nous devons voir, nous allons écouter les choses de notre pays. Donc, il y a des disques demandés. Si vous voulez les Mutuashi, si vous voulez les Swahili, je ne sais pas le terme que je vais dire, les Bakongo là-bas, les gens de Bandundu de l'autre côté. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes riches culturellement. C'est une partie de notre richesse que nous devons aussi valoriser. Alors, c'est pourquoi nous avons dit que nous allons vraiment faire que cette soirée soit réellement culturelle. Si vous avez des chansons, vous pouvez venir demander. Après avoir mangé, si vous avez des poèmes à faire, si vous avez des petites choses à faire, seulement pour nous égayer, ça sera bien. Je vous remercie. Là-bas, c'est la nourriture. Vous êtes libre, vous avez votre bon. La nourriture est fraîche, choisissez. C'est un service. Mais la boisson, présentez votre coupon. Vous allez voir 3 ou 4. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on a bien préparé. Alors, si vous avez des questions à faire, venez nous souffler et nous allons toujours communiquer. Merci beaucoup. Merci de votre présence. La soirée est ouverte. Merci beaucoup. Thank you.
pays. Non. Il faut y avoir des combos.
Oh.
moi. Check it out, now we can. Don't let me do the way.
Tiene la monoco.